Bonsoir, monsieur Leeds. Ah, inspecteur, je ne vous avais pas entendu arriver. Votre domestique m'a ouvert la porte. Je ne vous dérange pas parce qu'il est tard. Oh, vous ne me dérangez pas le moins du monde. Oh, enlevez votre pardessus, asseyez-vous. Merci. Voulez-vous boire quelque chose? Du thé, peut-être? Ces soirées de décembre sont glaciales dans notre vieille Écosse. Oh, vous mettez pas en peine pour moi. Ah, tenez, je vais vous faire goûter ce whisky. Ah. Nous le distillons dans le domaine, mais je ne devrais peut-être pas avouer ce méfait devant un homme de Scotland Yard. Je promets de ne pas vous dénoncer à mes collègues du service des alcools. Non, 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 merci, merci. Je dois encore travailler ce soir. Ah. Votre enquête avance? Elle avance. Mais vous étiez occupé, je vois, je ne voudrais pas vous interrompre. Oh, je vous en prie, ça peut attendre. Quelques paperasses sans importance. On m'a dit au village que vous écriviez un livre. Les habitants de Rosebury sont bien bavards. Disons simplement que je prends quelques notes ou j'essaye de jeter sur le papier des impressions fugitives. Nous autres gens âgés croyant toujours avoir quelque chose à raconter. Mais je doute fort qu'un éditeur accepte un jour de s'intéresser à ces radotages. Encore un peu de whisky? Non, non, merci. Non, ça n'est pas l'envie qui m'en manque, mais un inspecteur du yard qui ne marcherait pas droit, cela ferait pas bonne impression dans le village. Savez-vous que je vous envie, monsieur Leeds? Vous m'enviez? Mais pourquoi donc? Ah, le calme de cette grande maison à l'écart du village. Ce feu dans la cheminée, ces rayons chargés de livres. Tout cela respire le calme, la sérénité. Ah, je vous vois venir, inspecteur. Vous allez me proposer bientôt d'échanger ma retraite campagnarde contre votre vie trépidante de londonien. C'est bien possible. Eh bien, inspecteur, si je vous prenais au mot, vous déchanteriez rapidement. Cette existence qui vous paraît pleine de charme ne tiendrait pas à vous peser. Il faut avoir mon âge pour savoir rester des heures dans un fauteuil à rêver tout en fumant sa pipe et en regardant par la fenêtre le brouillard se lever sur les marais. La solitude est vite insupportable à un homme jeune. Quant aux bûches qui brûlent dans la cheminée, vous les maudiriez en regrettant le chauffage central que je ne me suis jamais décidé à faire installer. Oui, oh, vous avez peut-être raison. Vous vivez seul à Leeds Mansion? Presque seul, avec deux vieux domestiques. J'ai perdu ma femme il y a de nombreuses années. Mon fils George m'a longtemps tenu compagnie, mais maintenant, ses affaires l'empêchent de venir souvent. Il demeure en Écosse? Ah non, c'est un londonien. Malgré son jeune âge, il occupe un poste important dans une grande compagnie d'assurance au cœur de la cité. Lorsque ses occupations le lui permettent, il vient passer quelques jours avec moi. Il était ici la semaine dernière. Et il n'a pas l'intention de s'installer à Rosebury? Ouf, je crains que non, malheureusement. Cette maison appartient depuis toujours à ma famille. Mes ancêtres ayant presque tous vécu, j'y ai passé des jours heureux et d'autres qui l'étaient moins. Mais bientôt, après ma mort, j'ai bien peur que Leeds Mansion ne soit plus qu'une grande bâtisse abandonnée. Vous n'avez pas d'autres enfants? J'avais une fille. Elle est morte au printemps dernier. Alors, inspecteur, laissez-vous tenter encore un peu de whisky. Ah, une goutte seulement. Ah. Non, 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 merci. Voilà. Permettez-vous une question indiscrète, inspecteur? Si je peux y répondre. Pourquoi êtes-vous venu me voir ce soir? Oh, c'est bien simple. Je longeais le mur de votre parc lorsque l'envie m'a prise de venir vous dire bonsoir, de bavarder un peu. Je vous en remercie. Comment marche votre enquête? Elle progresse. Non, vous êtes trop fort pour moi, monsieur Leeds. Vous avez deviné, n'est-ce pas? Mais ben, en fait, mon enquête piétine lamentablement. Je n'avance pas vite. Mais pour être tout à fait franc, j'avance pas du tout. Voilà.
Vous savez maintenant pourquoi j'ai envie de retarder le moment où il me faudrait regagner ma chambre d'hôtel glacial et m'installer derrière ma table pour rédiger un rapport dans lequel je n'ai rien à mettre. Bon, je vous comprends, inspecteur. D'autant plus que l'auberge de Rossbury n'est pas particulièrement accueillante. Oui, aussi ni avec l'auberge. Mais il y a également les habitants, je sais. Oui. Ils ne sont pas très accueillants à votre égard. Et je vais vous dire ce qui ne va pas, inspecteur. Oui. Vous vous trouvez en face d'un accident banal, comme il en arrive malheureusement des dizaines tous les ans, à l'époque de la chasse. Vous cherchez une explication complexe à une chose qui est d'une navrante simplicité. Je crois que vous n'avez pas mais tous les éléments... Inspecteur, mais si. Reprenons les faits depuis le commencement, voulez-vous? Oui. Samedi dernier, dans la soirée, des chasseurs ont découvert un cadavre dans un fourré à quelques centaines de mètres du village. Le constable de Rossbury, il s'appelle McCloy, je le connais bien, a constaté que l'homme avait été tué d'une décharge de chevrotine tirée avec un fusil de chasse, comme tout le monde en possède par ici. C'est ça? C'est ça, continuez, monsieur Litt. McCloy s'est également aperçu qu'il ne connaissait pas ce malheureux. À vrai dire, personne à Rossbury ne le connaissait. McCloy a immédiatement téléphoné au superintendant Betshire, à Inverness. Le superintendant a tout de suite prévenu Scotland Yard en demandant l'aide du CID. C'est vous que l'on a envoyé. Vous êtes ici depuis lundi, n'est-ce pas, inspecteur? Lundi soir, oui, il y a 3 jours. Je suis d'ailleurs immédiatement venu vous faire une visite. Oui, je m'en souviens parfaitement. Vous êtes donc arrivé 2 jours après que l'on ait découvert le cadavre. 48 heures, c'est long. Vous paraissez convaincu que tout le monde à Rossbury veut vous cacher quelque chose, qu'il existe un secret dont les habitants des villages se refusent à vous parler. N'est-ce pas le cas? Je ne le pense pas. Je crois que l'explication est simple, beaucoup plus simple que vous ne le supposez. Les vagabonds sont nombreux dans cette partie de l'Écosse. Ils donnent un coup de main dans les fermes à la bonne saison, braconnent un peu en hiver, subsistent, tant bien que mal. L'homme que l'on a découvert dimanche est sans doute un de ceux-là. Oui, peut-être, mais ça ne me dit pas qui l'a tué. N'importe qui a pu le faire. Tout le monde chasse par ici. Une ombre qui se glisse, un fourré qui s'agite, un coup de feu. C'est bien qu'un crime, mais de toute façon, une chose abominable. Il y a loin d'un accident de chasse, un meurtre. Oui, monsieur Litz... Je vois que vous n'êtes pas au courant d'un certain nombre de détails que l'enquête nous a permis de découvrir. Accident de chasse, dites-vous? Certainement pas. Il y a eu meurtre. Peut-être même avec préméditation. Comment pouvez-vous en être aussi sûr? Parce que le cadavre n'a pu être identifié. Cet homme n'habitait sans doute pas la région. Non, il ne s'agit pas de cela. Si le cadavre n'a pu être identifié, c'est parce que le meurtrier voulait qu'il en soit ainsi. Tout ce qui aurait pu nous permettre de découvrir son identité a été soigneusement détruit. On a même arraché les étiquettes de ses vêtements. Mais il n'y en avait peut-être pas. Si, si, parce qu'il reste des morceaux de fil déchirés. Je vous signale au passage que la qualité de ses vêtements doit nous faire écarter l'hypothèse selon laquelle il s'agirait d'un vagabond. Ce sont des vêtements ordinaires, certes, mais ils sont en bon état et convenablement entretenus. Quant à ses chaussures, qui auraient pu nous fournir un indice, personne ne sait ce qu'elles sont devenues. Vous voulez dire qu'il était pieds nus? Oui. Tout ce que l'on sait, c'est que le mort chaussait du 42. Et ça vous suffit pour affirmer que quelqu'un a tué volontairement ce malheureux, qu'il s'agit d'un meurtre? Et pour quelle autre raison aurait-on fait disparaître systématiquement toute possibilité d'identification? Plus de griffes de tailleur, plus de mouchoirs portant des initiales, plus de marques de blanchisserie, rien. Tout a été volontairement détruit. C'est incroyable. Il y a autre chose encore. Le corps a été transporté après le meurtre. Que voulez-vous dire? La blessure dans le dos du cadavre a beaucoup saigné. Et pourtant, les feuilles mortes sur lesquelles il était allongé ne portaient pas la moindre trace de sang. Je vous avoue, inspecteur, que je ne comprends pas. Pour quelle raison aurait-on déplacé ce malheureux? Le meurtrier ne voulait probablement pas que l'on découvre sa victime à l'endroit exact où il l'avait tué. Mais pourquoi? Parce que le lieu où s'est déroulé le meurtre pouvait être compromettant pour le criminel.
On a découvert le cadavre dans des taillis, à 500 ou 600 mètres au sud de Rosebery. Imaginez qu'on l'ait trouvé dans le jardin d'une maison. Je suis abasourdi par tout cela, inspecteur. Mais je ne suis pas très au fait de ces questions. Pourtant, je crois avoir entendu dire qu'on pouvait toujours identifier un homme grâce à ses empreintes digitales. Oui, mais à condition qu'il ait été incarcéré au moins une fois, pour quelque raison que ce soit. Ah. Or, les empreintes de cet homme ne figuraient pas dans nos fichiers. Mmh. Autrement dit, il n'a jamais eu maille à partir avec la justice britannique. Alors, nous ne savons pas qui il est. C'est extravagant. Puis il y a encore autre chose. Nous avons bien entendu fait procéder à une autopsie. Et le rapport du médecin légiste est sans équivoque. L'homme a été tué d'une décharge de chevrotine tirée à bout portant. La mort a été instantanée. Le crime a eu lieu samedi dernier, entre 14 et 17 heures. Quelle précision! Non, 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 croyez pas cela, monsieur. Fort heureusement, le médecin a pu nous fournir une précieuse indication supplémentaire. La victime avait absorbé une heure environ avant de mourir un déjeuner copieux, largement arrosé de bière. Alors, cela permet de situer le meurtre avec beaucoup plus de précision. Il a été commis aux alentours de 15 heures. Oh, tous ces détails sont écœurants. Excusez-moi, inspecteur, mais je n'ai guère l'habitude de ce genre de choses. Oui, je vous comprends, c'est moi qui vous demande pardon. Mais je cherche à vous faire comprendre qu'il s'agit de tout autre chose que d'un vulgaire accident de chasse. Non, c'est bien un crime. Un vilain petit crime, sans gloire. Je n'arrive pas à réaliser que quelqu'un ait pu... Et vous ne savez rien d'autre? Peu de choses. Puisque personne ne semblait le connaître à Rosebery et qu'aucune voiture étrangère à la région n'avait été abandonnée dans le coin, j'ai interrogé le chauffeur du car qui dessert le village. Peter Lemons? Oui. C'est un pauvre garçon dont la femme est très malade. Que vous a-t-il dit? Lemons se souvient parfaitement de l'homme. Il l'a vu monter dans sa voiture à la gare d'Inverness quelques minutes après l'arrivée du train de Londres. Les étrangers sont rares en cette saison et sa présence a frappé le chauffeur. Le mystérieux voyageur est descendu de la voiture en arrivant au village, samedi vers 11 heures. Autrement dit, 4 heures environ avant d'être tué. Il était seul, bien entendu. Absolument seul. Il était assis au fond du car et n'a pas adressé la parole aux quelques personnes qui ont fait le trajet en même temps que lui. Lemons a encore précisé que l'inconnu ne portait pas le moindre bagage, qu'il était vêtu d'une gabardine grise. Celle-là même qu'il portait quand on a découvert son corps. Qu'a-t-il fait en arrivant à Rosebery? Lemons a-t-il vu de quel côté il allait? Hélas, non. Tout ce qu'il a pu me dire, c'est qu'il avait bien l'impression de l'avoir vu se diriger vers la rue qui longe le bureau de poste. Seulement, il était occupé à décharger les bagages d'un autre voyageur et il n'a pas fait attention à l'inconnu, quoi. 4 heures avant sa mort. Mmh. Mais qu'a-t-il pu faire pendant ces 4 heures? Ah, voilà. C'est précisément la question que je me pose. Celle à laquelle personne ne veut m'aider à trouver la réponse. Si je pouvais découvrir son emploi du temps entre 11 heures, c'est-à-dire le moment où il est arrivé au village, et 15 heures, c'est-à-dire celui où il a été assassiné, je découvrirais du même coup l'identité du meurtrier. Enfin, c'est du moins fort probable. Mais je vous prie de m'excuser un instant, s'il vous plaît. Mais il faut que je remette une bûche dans la cheminée. Voulez-vous que je vous aide? Oh, non, 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 c'est inutile, j'ai l'habitude. Là, voilà. Il y a beaucoup d'ironie dans tout cela, inspecteur. Nous sommes assis tranquillement, une carafe de whisky posée entre nous. Servez-vous, au fait. Et je vous interromps pour remettre une bûche dans le feu pendant que vous me parlez d'un crime. Ça ne doit pas vous surprendre, c'est votre métier, mais je dois dire, quant à moi... Je ne suis pas aussi blasé, vous le croyez, monsieur. Je comprends parfaitement votre réaction. Alors, inspecteur, ne vous forcez pas à être poli. Vous êtes venu chez moi ce soir pour que je vous aide. Et j'aimerais pouvoir le faire. Vous m'avez bien dit que le... Vous m'avez bien dit que ce malheureux avait pris un repas. Copieux. Oui, il a bu de la bière. Mm-hmm. C'est un indice important. Parce que voilà un homme qui arrive dans un village où il ne connaît apparemment personne. Personne du moins n'avoue l'avoir connu.
Or, il déjeune bien, boit largement. Où a-t-il déjeuné? Vous connaissez aussi bien que moi les ressources de Rosbury. Un pub qui peut éventuellement servir une tranche de jambon, une omelette et un morceau de fromage. Et l'auberge des Trois Couronnes qui a le toupet d'annoncer de la cuisine française et qui dispose de 3 chambres sans le moindre confort que le patron loue à des prix défiant toute concurrence. Je suis au courant, c'est le seul endroit où j'ai pu m'installer. Oh, j'aurais été ravi de vous offrir l'hospitalité. Je vous en remercie, monsieur, mais il ne s'agit pas de mon confort personnel, non. Si je vous parle de ces deux établissements, c'est parce que ce sont les seuls endroits où un étranger fraîchement débarqué à Rosbury puisse se faire servir un repas et de la bière. Or, les témoignages sont formels. Personne n'y a vu l'inconnu samedi dernier. Ni dans l'un, ni dans l'autre. C'est invraisemblable. Non. Non. Ça prouve simplement que quelqu'un a menti. Et quelqu'un du village. Quelqu'un qui le connaissait, chez qui il a déjeuné, avec qui il a bavardé, et... quelqu'un qui lui a proposé d'aller chasser. D'aller chasser? Ah, ça, j'en suis presque certain. Le premier rapport du constable McCoy, celui qui a établi tout de suite après avoir découvert le corps, est précis. Il est d'ailleurs recoupé par les renseignements que m'a fourni le laboratoire de recherche criminelle après avoir examiné le cadavre. De quoi s'agit-il? La gabardine de l'inconnu portait d'innombrables petites griffures. Et ce sont les traces laissées par les branches des taillis qui entourent le village. D'autre part, l'homme était vêtu d'un complet gris, un costume de ville. Les jambes du pantalon étaient maculées de boue à quelques centimètres au-dessous du genou. Et plus bas, rien. Pas de tache. Mais en revanche, le tissu était chiffonné, fripé, comme s'il avait été enfoncé dans des bottes. Peut-être avait-il l'habitude d'être chaussé ainsi. Non, le chauffeur du car se rappelle que le voyageur portait des chaussures de ville. Puis d'ailleurs, un homme qui porte régulièrement des bottes ne met pas des chaussettes fines en nylon. Non, monsieur Litz. Je crois plutôt que la personne chez laquelle il a déjeuné lui a proposé d'aller chasser et lui a prêté une paire de bottes. Rappelez-vous que le cadavre, lorsqu'on l'a découvert, ne portait pas de chaussures. Le meurtrier avait pris soin de lui retirer ses bottes, qu'il leur a dénoncées. Quant aux souliers de ville que la victime portait en arrivant à Rosbury, il y a probablement longtemps que l'assassin les a détruits. Mais ne m'en veuillez pas de vous dire cela, inspecteur, mais je n'arrive pas à vous croire. Je ne puis imaginer que quelqu'un dans ce village ait pu combiner une telle machination. Je connais bien les paysans d'ici, vous voyez. Non, non, c'est une impossibilité. Mais je suis de votre avis, monsieur. Comment? Alors je ne comprends plus. Je crois, comme vous, que l'inconnu n'a pas été tué par un paysan du village ou des environs. Le meurtre a été commis par quelqu'un d'autre. Il existe à Rosbury, comme partout ailleurs, 10 clans rivaux, 10 groupes ennemis qui ont chacun leurs partisans, leurs adversaires, qui s'épient mutuellement, se surveillent constamment. C'est évident, mais je ne vois pas ce que ça prouve. Si l'inconnu était entré chez les Swift, les Sheffield me l'auraient dit. S'il s'était rendu chez les Brown, je l'aurais appris par les enfants de la vieille Elisabeth, c'est mathématique. Ces gens-là se détestent de père en fils depuis toujours. Oui, oh, bien sûr, je me souviens de ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Pour eux, je suis l'étranger. Mmh. Alors, naturellement, on ne m'aurait rien dit ouvertement. On aurait procédé par allusion, par sous-entendu. Mmh. Alors, il se trouve que je n'ai entendu parler de rien. Donc. Je vous plains, inspecteur. Quel affreux métier qui vous oblige à écouter les ragots, à recueillir les méchancetés et les confidences haineuses. C'est sur cette matière que vous travaillez, vous agitez de la boue. Sans doute ne serez-vous pas d'accord avec moi, monsieur, si je vous dis que la fin justifie les moyens. Quand il s'agit de découvrir un homme qui a tué un autre homme, un individu qui s'est mis sciemment au banc de la société, qui a commis l'acte le plus vil et le plus bas que l'on puisse imaginer, n'est-il pas normal que l'on fasse tout pour le mettre hors d'état de nuire? Quel âge avez-vous, inspecteur? 28 ans, monsieur. J'en aurai 70 dans quelques semaines. Je pourrais être votre père, votre grand-père même. C'est bête, à mon âge, de recevoir une leçon pareille d'un homme aussi jeune que vous, ne croyez-vous pas? Les gens se détestent de père en fils. C'est mathématique. Je suis désolé. Je crois qu'il vaut mieux que je m'en tire. Mais non, n'en faites rien.
Vous avez bien fait, au contraire, de me dire ça. Non, 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 restez assis. Tenez, reprenez plutôt un peu de whisky. Non, non, merci, vraiment, j'ai déjà beaucoup bu ce soir. Ah, alors, je n'insiste pas. Alors, revenons plutôt à notre problème. Ainsi, ces confidences que vous avez recueillies... m'incitent à croire qu'aucun des paysans de Rosebury n'est coupable. Mais pourtant, quelqu'un a tué l'homme à la gabardine grise. Alors? Ben alors, j'ai dressé la liste des personnes qui, bien que demeurant au village, échappent au ragot. Celles dont l'existence n'alimente pas la rumeur publique, et entre autres, celles qui n'y sont installées que depuis peu. Nous sommes en Écosse, les gens sont méfiants. Ils n'aiment guère parler de leurs voisins quand ils ne les connaissent pas bien. Alors, inspecteur, cette liste... elle n'est pas longue. Trois noms, très exactement. Henry Darlington, le vétérinaire. John Selby, celui qu'on nomme le Lord. Et Madame Richmond. Dorothée Richmond? Oui, Dorothée Richmond, c'est d'elle que je parle. Et c'est tout? C'est tout. Bien. De qui voulez-vous que nous parlions en premier? Car vous avez l'intention de me demander ce que je sais de toutes ces personnes, n'est-ce pas, inspecteur? Mais c'est vous, monsieur, qui m'avez spontanément proposé votre... Oui, je sais, je sais. Si ce que vous me dites est vrai, si quelqu'un a tué cet homme de propos délibéré, alors... Vous connaissez bien le vétérinaire? Henry Darlington? Oui. Oh, c'est bien, oui. Et que savez-vous de lui? Bah, pas grand-chose, à vrai dire. Il a fait ses études à l'école vétérinaire d'Édimbourg, où il a ouvert un cabinet tout de suite après l'obtention de son diplôme, grâce à un petit capital qu'il tenait de ses parents. Et il soignait surtout des chiens d'appartement, des chats, des canaris. Il y a un an environ, le docteur Darlington a brusquement vendu son cabinet d'Édimbourg. Sa santé exigeait, paraît-il, qu'il aille vivre à la campagne. Et 8 jours plus tard, il s'installait ici, à Rosebury. Avez-vous parlé au docteur Darlington? Naturellement. Et quelle impression vous a-t-il fait? C'est difficile à dire. J'ai cru sentir une certaine réticence de sa part. Il réfléchissait un peu trop longtemps avant de répondre à mes questions, comme s'il tenait à éviter un sujet vers lequel ses paroles auraient pu m'aiguiller. Quel sujet? Certaines lettres qu'il lui est arrivé de recevoir, je suppose. Ah, les gens du village se sont montrés bavards à ce que je vois. Ils vous ont parlé, par allusion et à mot couvert, bien entendu, de ces fameuses lettres. Oui, on m'a dit en effet qu'il avait reçu des lettres de menaces. Oh. L'avez-vous interrogé à ce sujet? Ben, il ne s'agissait pas d'un interrogatoire, monsieur, d'une simple conversation. Oh. Il m'a affirmé qu'il s'agissait d'une blague, d'une plaisanterie d'un goût douteux montée par certains de ses camarades. Bien entendu, vous n'en avez rien cru. Ben, disons que ces explications m'ont paru sujettes à caution. D'autant plus qu'il m'a dit avoir détruit ses lettres et qu'il ne pouvait me les montrer. Je vais vous parler de Henry Darlington, le vétérinaire brutal, vindicatif, amer. Oui. La première fois que je l'ai rencontré, c'était peu de temps après son arrivée à Rosebury. Un de mes chiens s'était blessé, une patte cassée. Darlington est venu et lui a fait un plâtre. C'était l'hiver dernier, il faisait froid. Je crois même qu'il neigeait. Il était assez tard et le vétérinaire n'avait pas d'autre rendez-vous. Je lui ai proposé de rester un moment, de se réchauffer devant la cheminée. Il a accepté? Pourquoi aurait-il refusé? Nous avons bavardé. Vous l'avouerai-je, inspecteur, j'ai eu le même sentiment que vous. Henry Darlington m'a fait l'impression d'être sur ses gardes, d'éviter certains sujets de conversation. Ah, vous voyez, je n'avais pas tort. Nous avons parlé de littérature. Regardez les murs de cette pièce, inspecteur. Ils sont presque entièrement couverts de livres. Lorsque le vétérinaire est parti, à une heure avancée de la nuit, il avait les bras chargés de volumes. Depuis, il a pris l'habitude de venir fréquemment passer la soirée chez moi. Nous bavardons de la vie, de la nature humaine. Croyez-moi, inspecteur, je connais bien le vétérinaire de Rosebury. Il m'a même parlé un jour de ces fameuses lettres de menace. Qui les lui envoie? Ah non, inspecteur, vous me demandez de trahir un secret qui ne m'appartient pas.
Monsieur Leeds, dois-je vous rappeler que j'enquête sur un meurtre? Puisque vous avez accepté de m'aider, vous devez me dire tout ce que vous savez. Inspecteur, je ne suis pas l'auxiliaire de la police. Ne me faites pas regretter de vous avoir offert mon aide. Il s'agit d'ailleurs d'une vieille histoire qui n'a pas de rapport avec votre enquête. Mais excusez-moi, monsieur, je vous répète encore une fois qu'il s'agit d'un meurtre. Il peut exister certains rapports auxquels vous n'avez pas songé. C'est absurde. Je vous assure que cela s'est déjà vu. Soit. S'il en est ainsi, je vais vous dire de quoi il s'agit. Vous vous rendrez compte ainsi à quel point vos soupçons étaient ridicules. Eh bien, je vous écoute, monsieur Leeds. Un soir qu'il roulait en voiture aux environs d'Édimbourg, Darlington a été témoin d'un accident. Une femme âgée renversée par un chauffard qui a pris la fuite. Il s'est arrêté, bien entendu. Et pendant que les amis avec lesquels il se trouvait repartaient pour prévenir la police et appeler une ambulance, il a examiné la blessée. Elle était dans un état désespéré, souffrait beaucoup. Il a pris sa trousse et tenté de soulager la douleur. Lui, il est vétérinaire, il n'est pas médecin. Non, inspecteur, je vous vois venir. Il ne s'agit pas d'un cas d'exercice illégal de la médecine. Ce fut prouvé par la suite. Il s'est contenté de faire ce que n'importe qui aurait fait à sa place, à condition d'avoir une ampoule de morphine sous la main. Une enquête a été ouverte ensuite, mais aucune charge n'a été relevée contre lui. Il vous sera facile de vous en assurer. Et qu'est devenue la blessée? Elle est morte. Avant même que l'ambulance n'arrive. Il n'y avait rien à faire. Et c'est pour cela que le docteur Darlington a quitté Édimbourg? Indirectement. Henry Darlington souffrait de cette existence insipide et inutile qu'il menait, ne prodiguant ses soins qu'à des animaux de salon, des jouets vivants que leur maîtresse exhibait devant des amis. Être vétérinaire, pour lui, c'était autre chose. Oui, oui, mais l'accident dans tout ça. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les parents de la morte ont déposé une plainte. Henry Darlington avait été révolté par cette mort absurde, inutile. Il était révolté par l'attitude de ces gens qui cherchaient à l'en rendre responsable pour une simple question de dommages-intérêts. Ils espéraient toucher. Il a préféré fermer son cabinet et venir s'installer à la campagne pour soigner des chevaux et du bétail plutôt que des loulous de Poméranie. Oui. Et ce sont ces gens qui lui ont adressé les fameuses lettres de menace. Oui, parce qu'il n'avait pu tirer un avantage matériel de la mort de la vieille femme. Une vengeance bien mesquine. Oui, il est certain que ce que vous venez de me confier, monsieur, éclaire d'un jour différent la personnalité du docteur Darlington. Si j'ai pu vous permettre de réviser un jugement hâtif, inspecteur, j'en suis heureux. Oh là, il se fait tard. Je ne voudrais pas abuser de votre hospitalité. Si vous m'y autorisez, je reviendrai demain. Oh, les personnes de mon âge n'ont pas besoin de beaucoup de sommeil, inspecteur. Si je peux vous être encore utile ce soir... Ah, dans ce cas, je vous remercie. Eh bien, alors, puisque vous le voulez bien, parlons de Madame Richmond. Vous la connaissez bien, n'est-ce pas? Mais je la connais aussi. Moins bien que Henry Darlington, peut-être. C'est un curieux personnage, cette Dorothée Richmond. Naturellement, vous en avez dit du mal. Je sais seulement qu'elle est venue s'installer ici il y a 5 ou 6 ans avec son mari, un ancien officier de carrière qui avait pris sa retraite et qui désirait finir ses jours à la campagne. En effet. Le major Richmond est décédé il y a un peu plus de 2 ans. Il n'avait pas d'enfant et sa femme est devenue propriétaire de la maison ainsi que des meubles anciens que le major tenait de sa famille. Je vois que vous avez appris beaucoup de choses, inspecteur. J'ai également appris que Madame Richmond avait la fâcheuse habitude de boire. Ah, nous y voilà. Cette pauvre femme boit en effet plus que de raison. Personne à Albury n'ignore. Mais savez-vous, inspecteur, depuis quand Madame Richmond se livre à ses excès de boisson? Ah, ça, j'avoue ne pas m'en être inquiété. Ah, peut-être avez-vous eu tort. Madame Richmond éprouvait une grande affection pour son mari. La mort de celui-ci l'a plongée dans une profonde détresse morale, comme j'ai pu le constater moi-même à l'occasion de quelques visites que je lui ai faites à ce moment-là. Elle a cru trouver dans l'alcool un refuge, un oubli. Bref, elle s'est mise à boire.
Ce qui aurait pu constituer pour elle une sorte de remède est rapidement devenu un besoin, presque un vice. Oui, je comprends. Seulement, vous n'ignorez sans doute pas que Madame Richmond a une autre passion. Laquelle, inspecteur? La chasse. Je suis allé chez elle. J'ai vu l'impressionnante collection de fusils accrochés au mur de son salon. En quoi cela est-il répréhensible? Ah, du moment qu'elle respecte les propriétés privées, qu'elle ne chasse pas en dehors des périodes d'ouverture et qu'elle est munie d'un permis, cette dame a parfaitement le droit de se livrer à son passe-temps favori. Ah. Mais n'oubliez pas que le mystérieux inconnu à propos duquel j'enquête a été tué d'une décharge de chevrotine. Savez-vous de quoi vit Madame Richmond? Je ne me suis jamais permis de lui demander. Elle vend de temps en temps à des meubles que lui a légués son mari. Elle convoque un antiquaire qui vient d'Édimbourg ou même de Londres. Celui-ci examine l'objet dont elle veut se débarrasser, fixe un prix, lui verse la somme en question et fait enlever la pièce. Et alors, quel rapport avec votre crime? Madame Richmond a récemment formé un projet dont elle a fait part à plusieurs personnes. Elle a l'intention de vendre non plus un seul meuble cette fois-ci, mais un ensemble de pièces représentant une somme très élevée. Bien entendu, elle compte mettre en concurrence plusieurs acheteurs éventuels. Et elle attendait l'un d'eux ces jours-ci. Je ne vois toujours pas. Supposez que l'homme à la gabardine soit un de ces marchands de biens. Il arrive par le quart de samedi matin. Se rend directement chez Madame Richmond qui l'attend. L'antiquaire a dans son portefeuille une somme importante, ce qui n'a pas échappé à son hôtesse. La tentation est forte pour cette femme obligée de vendre progressivement tout ce qu'elle possède. Oui, c'est ridicule, je connais assez Madame Richmond pour savoir qu'elle ne ferait pas de mal à une mouche. Alors tu es un homme. Elle ne ferait pas de mal à une mouche, mais elle massacre sans pitié le gibier innocent qui se présente à portée de fusil. Bon, votre raisonnement ne tient pas, inspecteur. J'oubliais que la chasse est un sport, d'abord et avant tout. Bon, admettons. Mais il n'empêche que Mme Richmond est, disons, alcoolique. Les réactions d'une personne qui boit sont souvent bizarres. Elle défie la logique la plus élémentaire. C'est absurde. Mme Richmond n'a pu tuer cet homme. Votre théorie ne repose sur rien. D'ailleurs, un antiquaire ne serait pas venu par le quart. Pourquoi pas? Nous sommes en décembre. Les risques de verglas sont fréquents. Et je ne vous apprendrai pas que le brouillard est également très fréquent dans le voisinage des lacs. Le mort n'était pas tout jeune, il a pu hésiter à faire le voyage en voiture. Combien même cela serait, votre raisonnement comporte une autre faille. Ah, laquelle? Mais pourquoi cet homme aurait-il possédé une grosse somme dans son portefeuille? Les antiquaires payent par chèque, que je sache. Ah non, pas toujours. Pas entièrement, en tout cas. Il est courant dans cette profession de verser une partie de la somme en espèces de la main à la main. Ça fait autant de soustraits à l'impôt, surtout si la transaction porte sur une somme importante. Ah, vous avez réponse à tout, inspecteur. Il y a beaucoup de si dans votre théorie. Et vous ne m'avez pas convaincu de la culpabilité de Mme Richmond, loin de là. Encore une fois, monsieur, je ne cherche pas à vous convaincre. Je vous expose ce que j'ai appris, sans essayer de tirer de conclusion. Mais... Soit, inspecteur, je vous crois. Avez-vous ainsi fait le tour de vos suspects? Non, il en reste un. John Selby, celui qu'on a surnommé le Lord. Ah, c'est vrai, je l'avais oublié. Malheureusement, je ne pourrais dans son cas vous être d'un grand secours. Je ne crois pas lui avoir parlé plus de 3 fois en tout depuis qu'il s'est installé au village. Est-ce vous qui avez évité de le rencontrer? Ma foi non, ça s'est trouvé ainsi sans que je l'ai cherché. Ni lui non plus, je suppose. Je me le demande. Selby est un homme mystérieux, monsieur Leeds. Il évite soigneusement tout contact avec la population de Rosebery. Personne au village n'a pu me dire quoi que ce soit qui le concernait. Il ne parle pas, il ne reçoit jamais de courrier. Il affiche à l'égard de ses voisins une sorte de mépris souverain qui lui a d'ailleurs valu son surnom, le Lord. Ah, vous ne pouvez obliger vos suspects à être tous des gens ouverts et communicatifs. Une fois par mois, cet homme qui semble décidément cultiver le mystère disparaît de la circulation. Il prétend aller à Londres. Que va-t-il y faire, ça? Personne ne le sait. Pas même Mary, sa maîtresse. Mais vous la connaissez peut-être? S'était assuré de ses services comme femme de ménage dès son installation à Rosebery. Je crois savoir de qui il s'agit. N'est-ce pas une jeune femme blonde, assez ouais. Jolie, la fille d'un fermier? Oui, c'est exact. Mary est rapidement devenue la maîtresse de Selby. Elle s'est installée chez lui quand son père l'a chassée de sa ferme en apprenant qu'elle avait un amant et s'affichait à ses côtés. Les gens de la campagne ont parfois l'esprit étroit.
Mary, avant de connaître Selby, était une jeune fille timide, assez sauvage, on ne lui connaissait pas d'amis. Maintenant, elle vit seule avec son amant, ne sort pas, ne rencontre personne à part les rares commerçants de Rosebury chez lesquels elle va faire ses achats. Elle ne sait rien des mystérieux voyages de cet homme à Londres, ou plutôt si, elle en sait une chose. À son retour, 48 heures plus tard, Selby rapporte de l'argent, beaucoup d'argent, a-t-elle même précisé. D'où viennent ces grosses sommes, ça ? Mystère. Ça m'a paru curieux et je me suis renseigné sur ce monsieur Selby. Je ne voudrais pas paraître indiscret, inspecteur, et vous demander ce que vous avez découvert, mais j'ai bien l'impression que vous grillez d'envie de me raconter ça. Oui, vous avez raison. Ne serait-ce que pour vous prouver, monsieur, l'erreur que vous commettez en accordant systématiquement votre confiance aux personnes que vous rencontrez. Je vous écoute, inspecteur. Eh bien, la veille du crime, vendredi dernier, par conséquent, Selby a reçu un appel téléphonique de Londres. Je me suis fait présenter le registre des communications transmises par la standardiste. On a appelé Selby à 20h52. La conversation, qui a duré 2 minutes en tout, a été interrompue à 20h54. Est-ce tout ce que vous avez appris ? Quelques minutes après avoir reçu cette communication, notre homme a déclaré à Mary qu'elle devrait le lendemain aller faire des courses pour lui à Inverness. Il lui a demandé de partir par le quart de 9h du matin et lui a remis la liste des achats à effectuer. Ce n'est pas un crime. Oui, certes, non, mais il est curieux que cette liste dressée à la hâte, immédiatement après le coup de téléphone, ait été assez longue pour que la pauvre Mary soit occupée en ville la plus grande partie de la journée. Elle n'a pu rentrer que par le dernier quart, celui qui arrive à Rosebury à 7h du soir. D'où vous concluez que Selby voulait éloigner la jeune femme? Ça semble probable. À la suite du mystérieux coup de téléphone, notre homme a fait en sorte d'être seul pendant toute la journée du samedi. Alors on peut raisonnablement penser qu'il attendait une visite annoncée précisément par la communication téléphonique et qu'il tenait à ce que cette visite demeurât secrète. Il est certain que tout ceci est assez troublant. Mais comment avez-vous appris qu'il avait dressé sa liste de courses tout de suite après le coup de téléphone? Oh, de la façon la plus simple qui soit. J'ai interrogé Mary cet après-midi et c'est elle qui me l'a raconté. Alors j'en ai profité pour lui demander si elle avait entendu la conversation téléphonique de vendredi soir. Malheureusement, son amant avait pris soin de fermer la porte et elle n'a pu saisir la moindre parole. Mais une chose me surprend, inspecteur. Oui? Vous m'avez dit que Mary était toute dévouée à M. Selby. Qu'elle avait pris l'habitude, depuis qu'elle vivait chez lui, de ne plus adresser la parole à quiconque. Oui. Mais comment se fait-il, dans ces conditions, qu'elle ait accepté de vous faire ces révélations? Non seulement vous êtes un étranger pour elle, mais elle s'est certainement rendue compte qu'elle allait accabler M. Selby. Mary est venue me parler spontanément, de son plein gré. Spontanément? Je comprends pas. Mary est arrivée en larmes cet après-midi à l'auberge où je me suis installé. Son amant a disparu depuis hier soir. Comment? Que dites-vous? Vous avez bien entendu. Il a disparu. J'étais allé l'interroger hier, en fin d'après-midi. Je lui avais demandé quel avait été son emploi du temps entre midi et 16 heures samedi dernier. Il a affirmé s'être promené seul dans les bois. Mais bien entendu, personne ne peut confirmer cette déclaration. Je lui ai aussi demandé quelle était la pointure de ses souliers. Les choses du 42. Je lui ai demandé s'il possédait des bottes. Deux paires, a-t-il répondu. Et c'est alors qu'il a disparu? C'est incroyable. Et vous pensez que cette conversation que vous avez eue avec lui a pu l'inciter à prendre la fuite? C'est possible. Je ne lui ai pas caché qu'il était sur la liste des suspects. Il n'avait pas d'alibi, possédait deux paires de bottes dont l'une aurait pu chausser les pieds du mort. Qu'auriez-vous fait à la place du soi-disant John Selby, monsieur Leeds? Vous auriez probablement filé, vous aussi. J'avoue que j'éprouve une certaine difficulté à me mettre à sa place, inspecteur. Mais pourquoi avez-vous dit le soi-disant John Selby? Parce que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Tout de suite après avoir reçu Mary cet après-midi, j'ai téléphoné à Scotland Yard en communiquant le signalement exact de John Selby.
Ce qui d'ailleurs n'a pas été difficile, vous avez sans doute remarqué qu'il lui manque deux doigts à la main gauche. Je l'ai vu, en effet. Et là, la réponse ne s'est pas fait attendre. Un moment plus tard, j'apprenais que John Selby se nomme en réalité Jack Skipton, qu'il s'agit d'un maître chanteur notoire contre lequel plusieurs plaintes ont été déposées et qui fait l'objet d'une demi-douzaine de mandats d'amener. Un maître chanteur? Oui. Cet homme qui a l'air si calme et si placé. Ah, ça, l'habit ne fait pas le moine, monsieur Litz. Alors, inutile de vous dire que j'ai fait lancer aussitôt un télégramme de recherche. Rien ne prouve qu'il soit l'assassin. Non, ça n'a rien, en effet, seulement les faits ne militent pas précisément en sa faveur. Ses mystérieux voyages à Londres étaient certainement destinés à collecter les fonds que lui remettaient ses victimes. Ensuite de quoi, il revenait vivre ici, sous un faux nom, ignoré de tous, discret, méfiant, jusqu'au prochain voyage. Mais l'homme à la gabardine grise, qui serait-il? Supposer qu'une des personnes qu'il faisait chanter ait décidé de se défendre, de contre-attaquer. Elle cherche à connaître l'adresse de Skipton. S'aperçoit que personne à Londres ne sait où il demeure, qu'il descend à l'hôtel chaque fois qu'il vient dans la capitale. Oui. La vérité commence alors à se faire jour. Le maître chanteur ne vient à Londres que de façon épisodique, uniquement pour encaisser. Skipton se cache, et s'il se cache, il est fort probable que ce n'est pas sous son vrai nom. Non, mais vous vous rendez compte de l'espoir que cette découverte a pu faire naître dans le cœur d'un de ces malheureux? Pourquoi? Qu'est-ce qui aurait justifié cet espoir? Alors voyons, monsieur Litz, réfléchissez. Si l'homme arrive à découvrir où se cache Skipton et sous quel nom, il va pouvoir retourner la situation. Il fera chanter le maître chanteur. S'il est honnête, il se contentera de récupérer les documents ou les objets compromettants détenus par Skipton, mais s'il n'est pas honnête, eh ben, il le fera cracher à son tour. Enfin, si vous me permettez cette expression. Juste retour des choses, pense-t-il probablement. Et vous croyez que... Alors, il s'arrange à suivre Skipton, découvre le village dans lequel celui-ci se cache, apprend le faux nom dont il se sert, et désormais la vengeance est à portée de sa main. Vendredi soir, il téléphone au pseudo John Selby pour lui dire qu'il a retrouvé sa trace et qu'il a l'intention de venir le lendemain pour parler affaires, dirons-nous. C'est pourquoi M. Selby a pris soin d'éloigner Marie. Voilà. Samedi, il accueille son visiteur, le sourire aux lèvres, fait semblant d'être beau joueur, lui rend probablement les documents qu'il détient et accepte peut-être de payer à son tour. Oh, il ne risque rien car son plan est arrêté depuis la veille, depuis le fameux coup de téléphone. Les deux hommes déjeunent tranquillement. Puis le faux Selby propose à son hôte une petite partie de chasse. Oh, ils ont le temps. Le car ne quitte Rosebury qu'à 5 heures. Et c'est alors que... Ah non, inspecteur, c'est pas possible, je ne peux vous croire. Pourquoi pas? Je ne sais pas, moi. Comme je vous l'ai dit, je n'ai guère eu l'occasion de rencontrer Monsieur Selby, mais je ne peux imaginer que cet homme soit un assassin. Ah non, encore une fois, c'est impossible. Oui. Oui, en somme, monsieur Litz, mon raisonnement ne vous a pas convaincu. Non. Ouais. C'est dommage. Le maître chanteur aurait pourtant fait un bon coupable. Il avait un motif pour tuer. Il en a eu la possibilité. Et il est incapable de fournir un alibi. Ouais. C'est dommage. Mais... peut-être alors préféreriez-vous que l'assassin soit Henry Darlington, le vétérinaire des abusés? Non, inspecteur, je vous en prie, vos plaisanteries sont d'un goût douteux. Oui, excusez-moi. Henry Darlington. Ben, pourquoi pas? Après tout, il avait reçu des lettres de menace. Je vous ai expliqué qu'il s'agissait simplement d'une vengeance mesquine. Peut-être, mais... ben, imaginons pourtant que l'inconnu du quart de samedi soit un des parents de cette vieille femme morte au bord de la route. Il s'est pris au jeu des lettres de menace qu'il a lui-même envoyées. Débarque à l'improviste chez le docteur Darlington. Parle de le tuer. Le vétérinaire cherche à gagner du temps, discute, parlemente. Il finit par convaincre l'apprenti meurtrier qui remet son arme dans sa poche, fait amende honorable et même se laisse inviter à déjeuner. Mais Darlington n'en meurt pas moins inquiet. Ben oui, il ne sait pas si l'autre ne va pas changer d'avis, l'abattre quand même. Alors, mieux vaut dans ces conditions prendre les devants. Non, j'admire votre imagination, inspecteur, mais votre théorie ne repose que sur des suppositions. Vous avez raison, alors ne considérons que les faits. Qu'a fait Darlington l'après-midi du crime?
Il est allé chasser. C'est vous qui le dites? Non, c'est lui. Et il l'a reconnu lorsque je l'ai interrogé ce matin. Quelle est la pointure des souliers de Darlington? 42, bien entendu. Mais qu'est-ce que ça prouve? Je connais au moins 10 personnes qui ont la même pointure. Elle n'est ni grande ni petite, et je suis sûr que des millions d'anglais chaussent du 42. Mais c'est vous, monsieur Leeds, qui m'avez engagé à m'en tenir à des faits précis, tangibles, véritables. J'ajoute que le vétérinaire possède 2 paires de bottes. Il a pu en prêter une à l'homme à la gabardine. Ce n'est pas Darlington. Vous n'avez aucune preuve. C'est exact. Enfin, pour le moment, du moins. Mais l'enquête n'est pas terminée, monsieur Leeds. Et je suis bien forcé de constater que Darlington, tout comme Jack Skipton, alias John Selby, avait un motif pour tuer, a eu l'occasion de le faire et ne possède pas d'alibi. Alors, le docteur Darlington, Selby, ou madame Richmond? Mon Dieu, cette pauvre femme. Cette pauvre femme, comme vous dites, a menti. Lorsque je lui ai demandé ce qu'elle avait fait l'après-midi du crime, elle m'a répondu qu'elle avait rendu visite à Mme Renfield, la femme du maire. Elle a prétendu y être allée tout de suite après le déjeuner. Or, Mme Renfield, à laquelle j'ai demandé confirmation de cette visite, est formelle. Mme Richmond n'est pas arrivée avant 3h30. Vous êtes prêt à soupçonner n'importe qui, n'est-ce pas, inspecteur? Non, je ne soupçonne personne, M. Leeds. Je me contente... de rassembler des indices, je sais, vous me l'avez dit. Mais cette fois-ci, vous faites fausse route. Je m'étonne que vous ne vous en soyez pas rendu compte. Henry Darlington, chose du 42, John Selby également. Mais pas mal. Richmond, cette dame est petite. Elle chose du 37, j'ai vérifié. Ah, vous voyez. Mais le mari de Madame Richmond, décédé il y a 2 ans, chaussait du 42. Et ses bottes sont toujours dans la maison. Quel jeu jouez-vous, inspecteur? Moi, je ne joue aucun jeu, monsieur. Je vous ai simplement démontré que le docteur Darlington, Selby et Mme Richmond pouvaient tous trois être coupables. Je suis, moi, convaincu qu'aucune de ces trois personnes n'est le meurtrier. Peut-être avez-vous raison. Et pour vous dire la vérité, Monsieur Leeds, moi non plus, je ne suis pas satisfait de ces suspects. Prenez Darlington, par exemple. Si c'était lui le meurtrier, il pourrait invoquer la légitime défense. On l'a menacé de mort, il n'a fait que se défendre. Pourquoi alors ne pas avouer la vérité? Non, je ne crois pas que ce soit lui. Heureux de vous l'entendre dire. Quant à Mme Richmond... Pour elle, le problème est différent. Si c'est elle qui a tué, il lui a fallu aussitôt le crime commis, déchausser la victime, faire disparaître tout ce qui aurait permis de l'identifier avant de se rendre chez Mme Renfield. Oh, cette femme qui n'est plus toute jeune et qui s'adonne à la boisson ne me paraît pas avoir la lucidité et la froide logique nécessaires pour agir ainsi. Autrement dit, vos soupçons se portent sur M. Selby, puisque c'est le seul qui reste sur votre liste. John Selby, de son vrai nom, Jack Skipton. Maître chanteur, repris de justice, recherché par la police, en fuite. Ah, ce serait trop beau. Et pourtant, dans son cas aussi, il y a un détail qui me gêne. C'est le coup de téléphone. Pourquoi un homme qui aurait retrouvé sa trace, un homme animé du désir de se venger, l'aurait-il prévenu de son arrivée? L'effet de surprise était son meilleur atout. Et puis, les maîtres chanteurs tuent rarement. Ils sont bien trop lâches pour ça. De toute façon, vous en saurez davantage quand vous l'aurez retrouvé. Si on le retrouve. La police doit pourtant être en mesure. C'est pas certain. Il a vécu plusieurs mois à Rosebery sous un nom d'emprunt. Et si je n'étais pas arrivé pour faire cette enquête, il aurait probablement fini ses jours ici sans que personne ne l'inquiète. Et je suis prêt à parier qu'il va s'installer ailleurs, dans un autre village semblable à celui-ci sous un nouveau nom. Au moins d'un miracle... nous ne remettrons jamais la main sur lui. Il y a beaucoup de criminels qu'on ne retrouve jamais. Monsieur Selby, qui aurait pu croire que cet homme tranquille et effacé pût être un meurtrier? Franchement, monsieur Leeds, de vous à moi, vous le croyez coupable, n'est-ce pas? Non.
C'est difficile à dire, inspecteur, mais je dois reconnaître que votre raisonnement m'a ébranlé. Si cet homme a déjà eu des démêlés avec la justice, je sais qu'il est ridicule d'évoquer la pente fatale, comme on dit, mais enfin... Il faut qu'il soit coupable. Il le faut. Je vous ai expliqué que le meurtrier ne pouvait appartenir à une des familles de fermiers installées depuis longtemps dans le village. Selby, Madame Richmond et le vétérinaire sont les seuls suspects dans ces conditions. La culpabilité des deux derniers paraît bien improbable, alors... À moins, bien entendu, que le meurtrier ne demeure à l'écart de Rosebery. À moins qu'il ne s'agisse d'une personne respectée de tout le monde, que nul ne songerait à soupçonner. Je vois. Ce portrait, c'est celui de votre fille? Oui. Elle est morte récemment, je crois. Il y a 6 mois. Elle demeurait en Angleterre? Non, en Afrique du Sud. Était-elle mariée? Non. Et elle était malade? Oui. Je préférerais, inspecteur, ne pas parler de ma fille. Ce genre de conversation remue des souvenirs douloureux. On m'a beaucoup parlé de vous dans le village, monsieur. On vous aime, on vous estime, on vous admire. Mais les gens ne peuvent s'empêcher d'être méchants, vous savez. C'est instinctif. Oh, ils ne se rendent pas forcément compte du mal qu'ils peuvent faire. Continuez, inspecteur. On m'a raconté que votre fille n'était pas partie seule en Afrique du Sud. Les gens disent qu'elle s'était amourachée d'une sorte d'aventurier que vous aviez chassé de chez vous. Et on prétend qu'elle est partie avec lui contre votre gré. Que vous l'a-t-on encore raconté? Que votre fille s'est rapidement rendue compte de son erreur, mais qu'elle était trop fière pour le reconnaître, pour l'avouer à son père. Que vous n'avez jamais reçu directement de ces nouvelles, mais toujours par personne interposée. Et qu'elle est morte en Afrique du Sud de misère et de chagrin. Prenez encore un peu de whisky, inspecteur. Oh, merci. Vraiment? Vous aimez votre métier, inspecteur? Beaucoup. Et pourtant, il est souvent difficile. Voyez, il m'arrive même quelquefois de le maudire. Ce soir, par exemple. Ce monsieur Selby. Oh, nous le retrouverons forcément un jour ou l'autre, ce n'est qu'une question de temps. Je vous ai menti tout à l'heure. Pourquoi? Je voulais voir comment vous réagiriez. Vous les avez défendus de tout votre cœur, tous les trois. C'était normal. Mais bien sûr. Vous ne vouliez pas laisser accuser un innocent. Mais quand je vous ai dit que Selby nous échapperait, vos scrupules se sont apaisés. Puisqu'il s'était déjà mis lui-même au banc de la société et qu'on ne le retrouverait probablement jamais. Comment s'appelait-elle? Elisabeth, ma seule fille. Ils s'étaient mariés? À Johannesburg, en arrivant là-bas. Alors, on connaîtra l'identité de l'homme. On retrouvera des gens qui l'ont connu de son vivant, des parents, des amis, et ils pourront identifier le corps. Il n'y a rien à faire, n'est-ce pas? J'en ai peur. Pourquoi est-il venu? Il voulait de l'argent. Pour donner une sépulture décente à ma fille, a-t-il prétendu. Il m'a aussi demandé de lui payer le voyage pour retourner là-bas. C'était mon gendre, après tout. Oui, mais en réalité, il n'avait certainement pas l'intention de rentrer en Afrique du Sud.
Dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, il serait revenu, il aurait trouvé un nouveau prétexte pour vous demander encore de l'argent. C'est du chantage moral. Seulement, un homme a pourtant été tué. J'ai bu votre whisky, monsieur. J'ai fumé votre tabac. Je me suis réchauffé devant votre feu. Pourtant, vous savez ce que je dois faire. Oui. Vous allez m'arrêter parce que j'ai tué l'homme à cause duquel ma fille est morte de chagrin. Mais avant que nous ne partions, je voudrais vous montrer quelque chose. Non! Non, pas ça! Pas ça! Voulez-vous lâcher cette arme? Alors lâchez-la, sinon... Là! Alors. Pourquoi m'en avez-vous empêché? Ma mort n'avait pas d'importance puisque j'ai tout avoué. Vous préférez me traîner devant les juges. Je suis un vieillard, inspecteur. Monsieur Leeds, pourquoi avez-vous essayé de vous suicider? La honte d'un procès à mon âge. Non, vous n'êtes pas homme à fuir vos responsabilités, monsieur. Pourquoi avez-vous essayé de vous suicider? Je viens de vous le dire. Je ne vous crois pas. Pourquoi avez-vous essayé de vous suicider? Qui tentez-vous de protéger? Vous êtes fou! Ah non, 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 non. Non, seulement je crois que je commence à comprendre. Mais il n'y a rien à comprendre. J'ai tué cet homme en sachant parfaitement ce que je faisais. J'étais conscient de mon acte. J'ai décidé de l'abattre. Monsieur Leeds. J'ai abattu. Monsieur Leeds, quand votre fils est-il parti d'ici la semaine dernière? Et pourquoi mêlez-vous mon fils à cela? Voulez-vous me répondre, s'il vous plaît? Quand est-il parti? Samedi matin, de très bonne heure. Avant le déjeuner? Longtemps avant le déjeuner? Non, je ne vous crois pas. Bah, demandez aux domestiques. Les domestiques sont depuis toujours au service de votre famille. Ils ne trahiront pas votre secret, répéteront tous les mensonges que vous leur demanderez de faire. Inspecteur, j'ai tué cet homme. Je ne vous crois pas. C'est votre fils qui a tiré, pas vous. Mais je vous ai dit que c'était moi, j'ai avoué. Ça ne suffit donc pas. Mon fils est un homme jeune. Il a la vie devant lui. Votre fils est rentré à Londres au volant de sa voiture samedi dernier? Oui. Rosebury est trop loin de Londres pour qu'il ait pu regagner la capitale sans prendre de l'essence. Il suffira d'interroger tous les pompistes qui se trouvent sur la route. La circulation est très faible à cette époque de l'année. Je serais bien étonné si celui qui l'a servi ne se souvient pas de lui. À quoi ça servira-t-il? Nous saurons s'il est parti de bonne heure, comme vous le dites, ou s'il n'a quitté Leeds Mansion que dans l'après-midi, après avoir commis le meurtre. Il s'est arrêté en route, je le sais. Ce que dira le pompiste ne prouvera rien. Croyez-vous que votre fils vous laissera accuser à sa place, monsieur? Pourquoi m'avez-vous empêché de me tuer, inspecteur? Tout aurait été si simple. Thank you.
Mmh.